Yo les gars, c'est Zertix, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars, donc une vidéo d'achat-revente. Donc les vidéos d'achat-revente, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Donc les vidéos d'achat-revente ça vous plaît pas mal. Donc aujourd'hui je viens avec une petite vidéo d'achat-revente. Donc une vidéo pour vous présenter une technique qui est vraiment très efficace. Et voilà, donc en ce moment je la réalise. Et franchement elle me rapporte pas mal de crédits cette technique. Elle est vraiment très efficace. Donc en fait la technique ça va être quoi? Ça va être une technique à peu près comme l'attaque fut millionnaire. Sauf que en fait ça va pas être trop pareil vu qu'il y aura plus de conditions pour acheter vos joueurs. Donc là rapidement je vais vous montrer mes ventes avec cette technique. Donc tous ces joueurs je les avais achetés hier soir. Là aujourd'hui il est quelle heure? Il est 19h54 et mes joueurs sont quasiment presque tous partis. Donc voilà les joueurs qui fonctionne très bien avec cette technique. Donc là il reste quelques petits joueurs que j'ai pas fini de vendre. Donc voilà 2, 3, 5 joueurs que j'ai pas encore fini de vendre. Donc pour cette technique les gars, je vais vous expliquer comment faire. Donc tout simplement vous allez vous rendre sur le marché. Donc avant de faire ça, n'hésitez pas à aller voir les petits joueurs, enfin les joueurs que j'ai ici dans ma liste des transferts, parce qu'ils marchent vraiment très bien tous ces joueurs. Donc par exemple qui on pourrait prendre? Un joueur qui marche bien, de toute façon ils marchent tous bien. Smalling, donc Smalling il marche assez bien. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez aller sur le marché des transferts. Vous allez aller chercher un petit Smalling. Donc là on va aller voir, donc on se base tout le temps sur le prix minimum. C'est voilà, c'est la règle d'or. Hop, là il n'y en a pas, hop, il a augmenté un petit peu. Donc voilà, donc là on peut voir que son prix minimum c'est 1009, donc 1900 crédits. Donc on peut en trouver à 1008, il n'y a pas plus bas, ok, 1007. Donc le prix minimum en fait c'est 1007 crédits, donc 1700. Donc nous on va en fait se baser sur un joueur avec 7 contrats, 99 de forme et un style. Donc voilà, un style qui correspond au poste du joueur. Voilà, parce que si c'est un attaquant et qu'il a un style pilier, ça va pas être trop intéressant. Donc là, on va aller chercher un Smalling avec minimum, donc je répète, 7 contrats, 80, non pas 99 de forme, 90 de forme minimum et un style. Donc voilà, un style approprié à son poste. Donc là, on va aller mettre 1800 crédits. Et on va aller chercher les Smalling. Vous faites toutes les pages, vraiment, voilà. Vous prenez votre temps, vous cassez pas la tête. Donc après, si vous en trouvez pas, vous augmentez le prix. Hop, là, il n'y en a pas encore. Donc on recherche encore. Hop. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de style. Et il n'y a pas vraiment une offre très intéressante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter son prix. On va se mettre à 1900. Et là encore, on va aller rechercher encore s'il n'y a pas de style. Donc là, il n'y a pas trop de style. Hop. Donc là on peut voir qu'il y a un style charnière, mais il a 3 contrats, donc c'est pas trop intéressant. Il lui faut au minimum 7 contrats, sinon l'acheteur ne va pas être intéressé et du coup votre joueur il va prendre vraiment beaucoup de temps à se vendre. Hop, allez, il faut des styles là, il faut des styles. Allez, on cherche. Là il n'y a pas vraiment de joueurs, c'est vraiment assez chiant, parce que quand je fais pas de vidéo j'en trouve énormément comme par hasard quand je fais une vidéo. Donc là il y a un gladiateur, voilà, donc là c'est juste parfait. Gladiateur, bon c'est pas vraiment un poste, un style vraiment assez bien, mais c'est quand même bien. Voilà, gladiateur avec 10 contrats et 97 de forme. Donc là les gars, ce que vous faites c'est que vous le prenez. Donc moi c'est ce que je vais faire, hop, donc je le prends. Donc vous faites assigner maintenant. Et donc ensuite vous allez le lister. Donc pour le lister ça va être simple, pas de prise de tête. Les gars, vous allez mettre 600, entre 600, enfin, 600 à 700 crédits de bénéfices. Parce que après vous pouvez très bien mettre 1000 crédits, 900 crédits, mais moi personnellement je vous conseille de mettre soit 600 soit 700. Donc si il a à peu près voilà 10 contrats, vous mettez 600 de bénéf. Et si par exemple il a 30 contrats ou 25 contrats, vous lui mettez 700 de bénéfice. Après c'est comme vous voulez le bénéfice, vous pouvez mettre votre propre bénéfice. Mais après voilà, si vous mettez par exemple 1100 de bénéfice, votre joueur il va prendre beaucoup plus de temps à se vendre. Et puis les gars, si vous remplissez votre pile avec 100 joueurs, et bah les 100 joueurs ça fait 600 de bénéfice. 600 à 700 de bénéfices par joueur, et calculer 100 x 700 ça fait vraiment une somme assez énorme
de bénéfices. Donc là, hop, je me remets à 1900. Hop, donc là, 600 de bénéfices, ça va faire 2005. Donc voilà, 2500. Et donc vous le listez pendant une heure, très très important. Et donc voilà, on le liste pendant une heure. Hop, donc voilà, là on l'a listé. Et une fois que vous l'avez listé, les gars, il faut vraiment relister le plus de fois possible. Parce que si vous ne le relistez pas, bah, vos joueurs ils se vendront pas. Et du coup, bah ça va pas être top. Donc là, lui, j'avais listé 2200, mais je crois que je l'avais acheté pour 1005 à peu près. Donc son prix il a augmenté depuis hier. Et donc voilà, donc vous les relistez toutes les heures. Donc que ce soit sur votre portable, sur le PC, tablette, ce que vous voulez. Vous relistez vos joueurs toutes les heures. Et ils partiront vraiment tout simplement. Donc là on peut voir que tous mes joueurs qui restent ici, voilà, ils expirent dans 14 minutes. On peut voir qu'ils ont tous des steals et minimum 7 contrats. Donc voilà pour cette petite vidéo les gars, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, appliquez cette technique, elle est vraiment très très efficace. Et voilà pour cette technique. Donc voilà pour cette technique, moi je vous dis ciao les gars, abonnez-vous, likez, commentez, etc. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui on est le 31 décembre, faisez la fête à fond, profitez au max. Et moi je vous dis ciao les gars. Let's dance.